D'entrée de jeu, j'ai le plaisir et la joie d'annoncer le retour parmi nous de M. Moubimba Achimba, ex-Cyril. Moubimba Achimba, bonjour et bonsoir. Bonjour et bonsoir, Kibambi chez toi. J'ai également la joie d'annoncer le retour. Il nous a quelque peu échappé, pour une fois, et pourtant c'est un fidèle. C'est Monsieur l'abbé Poundou. Vous étiez toujours en train de travailler, en train de réfléchir, en train de donner cours, en train de faire des conférences. Merci pour tout ce que vous faites. Je voudrais vraiment que les téléspectateurs sachent que vous vous dépensez, vous êtes appelés de tous les côtés pour donner la science, pour donner des conférences à beaucoup de gens. Il est normal que de temps en temps vous puissiez ne pas être des nôtres. Merci de nous être revenus. Et Modeste Bonigaba, dont je salue la présence permanente à mes côtés. Nous allons parler une fois de plus de la corruption. Et je suis tenté de donner la parole à la personne à laquelle je l'ai donnée tout le temps en premier, c'est Moubimba Achimba. Moubimba Achimba, qu'est-ce que vous avez envie de dire en fait? Parce que je ne voudrais pas, quand vous entendez parler de la corruption, le mot qui vous arrive tout de suite à l'esprit. Que la corruption est une maladie très grave qui peut affecter des humains et des sociétés et les détruire. Merci. Monsieur l'abbé. Corrompre. Oui. Ça veut dire détruire. Très bien. En quelque sorte, la corruption, c'est ce qui détruit. C'est un mal profond. Ouais. Quand on dit quelque chose, c'est corrompu, ça veut dire c'est impropre à la consommation. Oui. J'allais dire c'est foutu, c'est pour foutu, parler vulgairement. Voilà. Oui, vulgairement, c'est foutu. Hein. Donc, corruption, ça vient de ce mot-là, latin, de ce verbe latin, corrompere. Corrompere, hein. Effectivement. Rompre, mais alors, pour détruire. Oui. Hein, c'est ça. Hein. La destruction et la destruction quasi totale. Moubimba, Modeste Bonigaba. Ben, je crois que vous avez déjà tout dit, c'est la pourriture, c'est le pourrissement. Voilà. Oui. Donc, c'est quelque chose qui donne la nausée, oui. Parce que c'est tellement dégoûtant. Voilà. Très bien. Est-ce que, je pose cette question aux téléspectateurs, serez-vous content qu'on vous qualifie de corrompu? Ah non. Et alors le corrupteur, lui, il n'est pas pourri ou il est tout aussi... il est en train aussi de détruire pour suivre votre schéma. Oui, je pense que... C'est encore plus... Il faut bien comprendre la corruption. Que c'est un peu comme la rumba et c'est un peu comme les tangos. Ça ne se danse pas seul. Il faut un partenaire. Mm-hmm. Et la corruption, le corrompu et les corrupteurs, ce sont deux faces d'une même médaille. Parce qu'il n'y a pas simplement des corrompus, mais il y a des corrupteurs. Et ils marchent ensemble. D'accord. Monsieur l'abbé. Non seulement qu'il y a corrompus et corrupteurs, mais il y a aussi, il faut l'ajouter, des corruptibles. C'est-à-dire que quelque part, eh bien, on peut le dire, en chacun de nous, il y a un corruptible. Hein, et donc, on peut devenir corrupteur, on peut devenir corrompu, mais au fond, ça vient du fait qu'il y a la corruptibilité, tout à fait. Qui est la potentialité d'être corrupteur ou corrompu, et donc de nager dans la corruption. Hein. Et c'est là qu'il faut faire attention, et qu'il faut dire le travail qui doit être fait lorsqu'on parle de la corruption, pour combattre la corruption, c'est d'abord combattre cette corruptibilité qui est en chacun de nous. D'accord. De telle sorte qu'en prenant conscience que je suis corruptible, eh bien, je fais attention pour que je ne devienne pas corrompu et non plus corrupteur. Voilà. Ben, Modeste Bonigaba,
Vous avez sans doute quelque chose à dire. Moi j'allais juste dire un truc. En fait, si quelqu'un se dit, lui, là, il est corruptible, c'est qu'il ne vous prend pas très au sérieux. Je ne sais pas si je m'explique. Oui, Modeste. Oui, parce que quand on parle de la corruptibilité, en fait, c'est une attitude qui incite l'autre justement à vous corrompre. Absolument. Vous voyez, et là, on est finalement dans la concussion. Parce que lorsque vous êtes un fonctionnaire important et que vous devez signer des documents, et vous faites sentir à celui qui est demandeur de ces services qu'il faut qu'il lâche quelque chose pour que vous puissiez signer. En fait, vous lui dites, moi je suis complètement pourri. Oui, oui, donc il faut me payer, il faut m'acheter pour que je puisse effectivement poser ma signature. Donc, on est déjà en plein dans la corruptibilité. Absolument. Et d'ailleurs, pour ce qui concerne notre pays, on peut dire que c'est l'aspect le plus grave, le plus important. Parce qu'aujourd'hui, notre administration excelle dans cette pratique. Surtout, les naturellement, ceux qui ont la signature, les gens qui ont pour signer, parce qu'on l'a rappelé l'autre jour, pour libérer la retraite, la pension de retraite, le décompte final des travailleurs qui avaient passé toute leur vie, 30, 40 ans, à servir, on leur demande d'amputer leur enveloppe de presque la moitié du montant, si pas plus. Vous vous rendez compte? Ça c'est, pour moi, c'est un crime grave qui, normalement, exposerait son auteur à la pendaison ou à la... En tout cas, à la peine capitale. Parce que, est-ce qu'il y a un crime plus grave que celui-là? Vous voyez, donc... Quelqu'un qui s'est sacrifié toute sa vie, vous lui dites, ce sacrifice-là tombe à l'eau. Ouais. Il faut que moi, qui suis là en train de travailler, vous puissiez me donner... Sans savoir que quand vous terminerez, peut-être que le même sort vous sera réservé. Mais c'est très grave. Maintenant, Modeste Mbimba Chimba Miembe Cyril. Bon. Parce qu'il ne faut pas refuser quand on vous appelle Cyril. Hein. Il y en a qui sont habitués. Bon, alors, dans la Bible, ça, c'est vieux comme le monde, la corruption. Jésus avait parlé des percepteurs d'impôts. Oui, du temps de Jésus, au premier siècle de notre ère, dans la société, justement, israélite, pas israélien, mais israélite, il y avait ces problèmes de corruption avec les corrupteurs d'impôts qui travaillaient. Les collecteurs d'impôts qui travaillaient pour le compte de la puissance régnante qui était Rome. Et ils étaient, ce sont des gens qui avaient de l'argent, et presque on dirait même que de tout le temps, ce sont des services qui exposent les gens à la corruption. Ce sont des problèmes. Et alors, mais comme toujours, nous avons... un agent déclencheur. Nous avons parlé de la potentialité d'être corrompu. Mais on n'est pas encore corrompu ni corrupteur. Mais nous avons le potentiel qui peut être activé. Mais quel est l'agent déclencheur de cette potentialité? Il y a trois, je pense, à mon avis. On pourra ajouter d'autres. Il y a un, le pouvoir. Quand on a le pouvoir, le pouvoir corrompt. Deuxième agent déclencheur que je trouve, c'est l'avoir. Quand on a beaucoup, on cherche à en avoir davantage et on cherche à voir ceux qui sont autour de soi comme si ce sont des gens qui doivent se soumettre, s'assujettir.
et vous allez les exploiter. Et donc, ça renforce la corruption à nous. Et il y a aussi le manque. Quand on est dans le grand besoin et qu'on manque de tout, on peut être facilement corrompu. Alors, voilà là, un agent déclencheur à trois niveaux. Et donc, dans la société, si on ne fait pas attention, on croit que il n'y a que les gens qui ont l'argent. Non. Même ceux qui sont les plus démunis. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de grande corruption et de petite corruption? Si, il existe la petite corruption, les vols à l'étalage, ceci, et la grande corruption qu'on trouve au niveau des institutions, au niveau de l'État, au niveau des sociétés. Ça, c'est la grande corruption, mais et ça ne suffit pas que la corruption n'est qu'à ce niveau-là. Mais elle est la plus dangereuse du point de vue de manifestation. Parce que la petite corruption, elle s'est faite généralement parce qu'on est parmi les plus démunis, on n'a rien. Il y a la petite corruption qui se passe là-bas. Mais la grande corruption, au niveau des institutions, au niveau de ceux qui ont les grands pouvoirs, parce que quand on a un grand pouvoir, même le niveau de corruption, il est très profond. Parce que la corruption, dès qu'on a commencé à y entrer, c'est difficile de retourner. Et on va chercher à se stabiliser dedans, dans la corruption. Et une fois qu'on est arrivé à ce niveau de stabilisation, alors, ça déclenche un autre mécanisme. C'est la transmission, la reproduction de la corruption. Et justement, quand on a un grand pouvoir dans la société et qu'on est corrupteur et corrompu au point d'arriver à la sommité, ce sont des sommets de la corruption, à ce moment-là, il y a des problèmes qu'on a, qu'on va maintenant commencer à transmettre la corruption, on va devenir... De sorte que c'est quand on est animateur d'une société, d'une entreprise, d'un organe, d'un pouvoir, tout ça, eh bien, ça devient un demi. C'est fini, c'est parti pour de bon. D'accord. Et maintenant, les gens ont l'impression que c'est le nouveau mode de vie, c'est comme ça qu'on vit. Non. Parce que là, on est déjà arrivé au niveau de la reproduction de la corruption. D'accord. Et à tous les niveaux, tous les bas, les enfants, les petits-enfants, les générations qui viennent sont dedans. Ils trouvent que ce sont des choses qui sont normales. À ce moment-là, puisque c'est la grosse pourriture, c'est la mort, oui. Monsieur l'abbé. Je crois qu'il faut aller encore beaucoup plus loin en évoquant ce qui a comme dénominateur commun à tous ces niveaux de corruption. Le niveau, on a parlé de la grande corruption, on a parlé de la petite corruption, mais en réalité, corruption grande ou petite a comme fondement, finalement, au point de vue éthique, au point de vue moral, au point de vue de la conscience morale, c'est la cupidité, la soif immodérée de l'argent, donc de l'avoir. Cette cupidité, eh bien, elle se manifeste à tous les niveaux. Elle se manifeste à tous les niveaux. Et c'est lorsqu'on est pris par cette cupidité qui ronge le cœur et qui ronge l'esprit, n'est-ce pas ? Eh bien, en ce moment-là, on a du mal à éviter d'être corrompu et d'être corrupteur. Parce que, quelque part, lorsque Cyril Mobimba a parlé du tango, la corruption, il faut être deux, n'est-ce pas ? Eh bien, je crois que la corruption, oui, il faut être deux, mais quelque part, le corrupteur et le corrompu est en nous. C'est-à-dire que les rôles peuvent s'inverser. C'est-à-dire, à un moment donné, je suis corrupteur, mais à un autre moment, je suis le corrompu. Mais le dénominateur commun, c'est qu'on enlève l'humanité à l'autre. Absolument. L'humanité n'existe plus. Absolument. Le partage. Non seulement qu'on l'enlève chez l'autre, mais on l'enlève aussi chez soi. Parce que lorsque
considère l'autre comme une chose qu'on peut acheter hein, avec de l'argent, n'est-ce pas? Eh bien, on le réduit, on le chosifie, on le réifie. Hein, et lorsque soi-même, on se considère comme une chose qu'on peut vendre, n'est-ce pas? On n'est plus humain. Oui. Donc, à tous ces niveaux, n'est-ce pas, il y a la chosification de l'homme. Mm-hmm. Et comme nous ne cessons de le dire, eh bien, la perte de l'humanité. Absolument. On perd son humanité. Lorsque l'ami Cyril parlait de l'avoir comme un deuxième agent déclencheur, mm-hmm. hein, eh bien, je crois que c'est un agent capital. Un agent capital. L'argent, qu'on l'ait ou qu'on ne l'ait pas, une fois qu'on est entré dans la cupidité, mm-hmm. on est entré dans la soif immodérée et qu'on ne peut plus arrêter, n'est-ce pas? Qu'on en ait, on cherchera à en avoir toujours plus. Qu'on n'en ait pas, on cherchera à en avoir, n'est-ce pas? Et tous les moyens sont bons et la corruption devient un des moyens pour se procurer de l'argent. Un des moyens pour obtenir des biens matériels auxquels on donne une valeur, je dirais, de plus-value. Oui. Et on croit que... Au détriment de l'humain. Mm-hmm. Au détriment de l'humain. Et on croit que ce qui fait la valeur d'un être humain, c'est le fait d'avoir. Mm-hmm. N'est-ce pas? Et lorsque j'ai des choses, eh bien, je crois que je suis. Hein. Mais il y a quelque chose d'important ici par rapport à notre culture. Par rapport à notre culture, eh bien, je me réalise que le verbe avoir, on ne le retrouve pas dans nos langues. Le verbe avoir. Hein, et c'est, oui, quand vous analysez bien, en lingala, si tu veux dire j'ai, tu utiliseras le terme nasali na. Donc, je suis avec. Ou, hein, je suis avec. Niko na. Hein, en swahili, hein, niko na. Hein. Donc, le verbe avoir comme tel, eh bien, n'existe pas dans nos langues. Vous le confirmez, vous qui êtes. Oui, à Kipendo, on dirait Ngoudi non. Je suis avec. Voilà. Parce que l'être et l'avoir. Il y a un Camerounais qui a écrit des livres sur l'être et l'avoir. Nous sommes de la civilisation des de l'être. L'être. Nous ne sommes pas la civilisation de la voix. Vous aurez votre temps, monsieur l'abbé, vous avez terminé. Modeste Bodikaba, allons-y. Oui, je crois qu'on a suffisamment donné la définition de la corruption. Pour et même qu'on sa puisse, gravité. La gravité. Moi, je voudrais qu'on insiste maintenant sur la gravité de la corruption en illustrant par ce qu'on appelle couramment chez nous les contrats léonins. Parce que ça, c'est ça qui tue. Un pays qui tue une société. Lorsqu'un individu peut aller négocier pour le compte de la nation, de la société, et se permettre de brader le patrimoine national pour son propre compte, ça veut dire qu'à ce moment-là, vous êtes dans une société totalement exposé, totalement fragile, parce que ça montre à quel point votre organisation ou manque d'organisation peut permettre des choses inimaginables. Mm-hmm. Aujourd'hui, l'actualité est dominée par une histoire où on nous dit que quelqu'un a pu faire sortir toute la production pratiquement. À lui tout seul. Du produit le plus recherché aujourd'hui dans le monde, pour le soustraire au circuit normal, étatique. Et cela s'est passé ici, et comme si personne ne s'était aperçu de rien. Et c'est ça qui montre le degré de déliquescence d'un État. Donc, manifestement, cette corruption est l'agent majeur qui tue des États comme les nôtres, les États fragiles. Parce que les mécanismes de contrôle et de sanction des responsables sont presque inexistants. Et on se retrouve finalement comme des petits
du bétail tout à fait. Dont on peut disposer comme on veut. Mais est-ce qu'à ce moment-là, Modeste, est-ce qu'à ce moment-là, on se rend compte du mal qu'on fait à son pays? Est-ce qu'on le respecte? Est-ce qu'on a un pays? Est-ce qu'on a cette conscience? Parce que c'est grave contre Léonin, parce que on a bradé l'affaire, mais à son bénéfice. Mais c'est, je crois que là, c'est grave. Je ne sais pas si vous avez envie de parler, parce que oui, envie de dire ceci, que pour avoir un problème de conscience, qu'est-ce que ce que j'ai fait, c'est bon pour ma société ou non, mais il faut que la conscience tourne. Et également, dans la corruption, elle attaque quoi, en fait? Elle attaque aussi bien le cœur, qui est le centre de nos mobiles, que la tête. La tête, ce n'est pas le crâne, mais c'est la raison. C'est le cerveau et l'esprit. Et l'esprit. Et quand on est à ce niveau-là, on quitte le matériel. On est dans un monde qui n'est pas la chair et le matériel. C'est notre esprit, c'est notre morale qui est atteint. À ce moment-là, n'attendez plus rien de quelqu'un qui est pourri à ce point-là. Il y avait un passage dans la Bible, parce que tu avais parlé du passage de la Bible, qui parle de la callosité. C'est-à-dire, la callosité, c'est quoi? Que lorsque la conscience de quelqu'un est arrivée au niveau de l'atteinte de la callosité, les cales. Vous voyez que parfois dans les... Quand on travaille manuel, on peut avoir des cales. Oui. Et c'est ça, ces cales-là, tu peux couper, tu peux même mettre du feu, et c'est insensible. Et alors, la conscience de quelqu'un qui est corrompu, pourri à ce point-là, parce que c'est un pourrissement à un degré très avancé, et ça crée des callosités, des cales. Au point que, quand on veut corriger, quand on fait des remarques, mais la personne ne vous comprend même pas, parce que sa conscience est morte. Elle est éteinte, elle a atteint des callosités. Il y a un passage, parce que tu as parlé, je voudrais un peu vous dire rapidement, là, il y en a beaucoup, mais ici, je prends un que j'ai trouvé là, c'est dans Romains chapitre 1, les versets 28 à 32. Hein, rapidement, je vais vous dire. Comme ils n'ont pas jugé bon de reconnaître Dieu, Dieu les a abandonnés au pouvoir d'une mentalité désapprouvée. De sorte qu'ils font des choses qui ne conviennent pas. Ils ont été remplis de toutes sortes de pensées injustes, perverses, avides, méchantes. Ils sont pleins d'envie de meurtre, de disputes, de tromperies, de malveillances. Ils chuchotent. Ils sont médisants. Ils détestent Dieu. Ils sont insolents, orgueilleux, vanteurs. Ils projettent de faire le mal. Ils désobéissent à leurs parents. Ils sont sans intelligence. Ils ne tiennent pas leurs promesses. Ils n'ont pas d'affection naturelle ni de pitié. Merci. Ils connaissent très bien le juste décret de Dieu. Ceux qui les pratiquent de telles choses méritent la mort. Pourtant, non seulement ils continuent à le faire, mais encore ils approuvent ceux qui le pratiquent. Et voilà les gens qui sont atteints de callosité. Vous pouvez tout faire, ils ne comprennent rien, parce que tout ce qu'on a dit là, que nous appelons ici les antivaleurs, pour eux, c'est ça les choses qu'ils font. C'est ça la norme. Parce que c'est la norme, parce que c'est ça qui rapporte ce qu'ils recherchent. Il y en a qui bâtissent une certaine notoriété dans la bêtise et dans l'avoir. Et il faut dire aux téléspectateurs, parce que c'est à eux que ce qu'on vient de dire là est tout simplement dramatique. Alors on comprend pourquoi des gens qui font cela ne peuvent pas investir dans leur pays, dans leur banque,
ils ont de l'argent à l'extérieur parce qu'ils ont peur. Est-ce que c'est encore une vie quand on a chaque fois peur, on est soupçonneux, on n'est pas tranquille? Monsieur l'abbé, c'est plus la vie, c'est la mort. Eh bien, il y a un terme que je voudrais relever de ce que notre ami Cyril a dit tout à l'heure. Qu'est-ce que ça me rapporte? On fait tout en fonction de ce que ça me rapporte. Ouais. Et si ça ne me rapporte rien, eh bien, je ne signe pas. Si ça ne me rapporte rien, ça ne me concerne pas. Et on va beaucoup plus loin que cela, c'est qu'il y a comme une sorte de négation de l'État, l'État qui n'existe plus. Lorsqu'on en arrive au point où c'est mon ventre, c'est en fait c'est cela, mon ventre qui compte, manger, aujourd'hui les termes sont là, la mangeoire. Quand on parle du pouvoir, on appelle ça la mangeoire, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, c'est pour cela que les politiciens, je disais aux jeunes gens, quand vous avez encore 20, 22 ans, 23 ans, n'allez pas en politique, parce que on a toujours envie de posséder, de manger. Oui. Et c'est pour ça qu'on peut même vendre son père ou oui. sa mère. Oui, oui, oui. On peut vendre son âme. Oui. Mais on n'est plus un homme. Absolument. Mon Dieu. Absolument. Donc, le problème est là. Qu'est-ce que ça me rapporte? Et la question, ce n'est pas posée en termes de valeur, en termes de ce que ça peut me rapporter comme, valorisation de l'être. Non. Qu'est-ce que ça me rapporte en termes de fric? De l'avoir. D'avoir, vous voyez, et j'ai eu à intervenir il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui m'a posé cette question. Quand nous servons Dieu, qu'est-ce que ça va nous rapporter? Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on y gagne? Quel est le salaire que nous aurons? Parce que tout est vu en fonction de ce que ça rapporte matériellement, financièrement. Et quelle est la réponse que vous avez donnée? La réponse que j'ai donnée, c'est que nous devons retrouver le sens de la gratuité qui est perdue. La gratuité qui n'existe plus. Et savoir qu'aujourd'hui, ce que ça me rapporte, moi, de faire tout le travail que je fais, de me déplacer des kilomètres pour répondre à telle invitation, pour aller parler, donner une conférence, donner des enseignements, ce que ça me rapporte, ce n'est pas l'enveloppe qu'on peut me donner ou l'argent que je peux recevoir, mais ce que ça me rapporte, c'est la joie. La joie de savoir que je contribue à l'édification de l'être humain. La joie de savoir que je participe à la construction d'un autre monde, d'une société nouvelle. Dans laquelle il fera bon vivre. Bon vivre pour tout le monde. Voilà. Et cette joie-là, on ne l'a plus. On ne la recherche plus. N'est-ce pas? Et on ne la ressent même plus. C'est grave. C'est dramatique. Modeste. Il faut qu'on en sorte, mon Dieu. Il y a des pays comme Singapour, ils en sont sortis. Mais comment? Eh bien, parce que tout simplement, des pays comme Singapour ont choisi de mener une lutte à mort contre la corruption, oui. entre autres. Mais aussi... Parce que quand même, la corruption, là où elle amène... Et elle amène à la bestialité. Oui. Écoute, mais oui, quand on ne peut pas, on ne peut plus aider quelqu'un, une vieille qui traverse, on la laisse traverser, et ça va me rapporter quoi? Voilà. On ne fait plus des béables, donc bonnes actions. On est des animaux. Absolument. Absolument. Donc oui. Voilà un cas qui est contemporain à des gens comme nous, parce que Singapour a accédé à l'indépendance dans les années 60. 67 ou 68 par là. Eh bien, ce petit pays sans ressources naturelles, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle cité-État, c'est juste, je crois... Un petit coin de paradis aujourd'hui. Oui. Eh bien, ils ont eu la chance d'avoir un leader visionnaire qui a compris que ce petit pays sans ressources n'avait aucun avenir si on n'exploitait pas au mieux les rares ressources qu'ils pouvaient avoir. Et c'était quoi leurs ressources? L'intelligence.
L'intelligence est à peu près partout dans le monde. Mm-hmm. Dieu n'a pas dit, bon, ce coin-là, il n'y a pas de gens intelligents et là-bas, il y en a en abondance. Non, l'intelligence est finalement assez bien répartie. Eh bien, Singapour, on a dit, on va rechercher les meilleurs fils et filles du pays vont être recherchés comme on cherche de l'or. Parce que c'est à eux qu'il faut confier les responsabilités. Ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, le pragmatisme. Hors de question de s'aligner dans des idéologies, nous on est capitaliste, on est comme... Non, non, nous on est pragmatique. Tout ce qui est bon, on prend. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont dit, ils ont parlé oui. de la fameuse phrase de Deng Xiaoping qui disait « Peu importe que le chat soit noir ou gris, pourvu qu'il attrape des souris. C'est l'efficacité, c'est le résultat qui compte. » Donc pour eux, ils ont dit « pragmatisme ». Troisième axe, l'honnêteté. L'honnêteté, c'est justement cela, quand nous parlons de corruption, c'est combattre à mort, mais alors vraiment à mort, parce que là-bas, on n'hésitait pas de fusiller les gens qui étaient pris la main dans le sac. Donc, ils ont réussi ce boom extraordinaire. Maintenant, je crois qu'ils ont un revenu par habitant de plus de 40 000 $. Je crois que c'est devant les États-Unis. Ces petits pays sans ressources, parce que tout simplement, ils ont su combiner les facteurs qui leur étaient favorables, qui étaient à leur portée, et ils ont réussi à aujourd'hui avoir une société tout à fait harmonieuse. Il n'y a pas d'écart. Et d'ailleurs, pour y arriver, ils ont magnifié justement les professeurs, l'éducation. Parce qu'il faut être meilleur. Mais vous, meilleur, vous le deviendrez comment? Voilà. Ben, ce sont ceux qui rendent les autres meilleurs qui vont être gratifiés correctement, donc moniteurs, professeurs, pour rechercher justement les meilleurs. Tout à fait. Et tout le monde s'est mis dans la bagarre. Ouais. Je vois Moubiba Hashimba, Cyril. C'est pas nous qui t'avons baptisé, c'est nous. Oui, Cyril. Moubimba Shimba, Miembe. Bon, Cyril. Nous, nous sommes chrétiens. Miembe, je dis. Alors, il y a ceci que, au moins nous parlons là, bon, il y a Singapour, il y a d'autres États et tout ça, nous pouvons les comparer. Mais moi, je compare ma société d'aujourd'hui à la société dans laquelle j'ai vécu mes 15 premières années. Au village. Au village. Parce que je vois encore le jour où on nous annonçait au village la mort de Lumumba, que Lumumba a été tué. Parce que les gens chez nous avaient une grande affection pour Lumumba. Et alors, il y avait un prêtre belge qui est venu, qui était là dans le village. Il dit, mais pourquoi vous souffrez comme ça pour quelqu'un qui était si mauvais que le monde? Alors les gens au village disent, mais comment le monde était mauvais? Il dit, mais vous ne l'avez pas connu. Parce qu'il allait vous introduire quelque chose que vous n'avez jamais vu, c'est le communisme. Alors le chef le grand chef de la chefferie, hein, et chez qui j'étais élevé, il pose la question, mais le communisme, c'est quoi? Il connaît. Alors, il explique que le prêtre dit non, le communisme, c'est que ce que Lumumba cherchait, si vous avez des chèvres, comme ici, vous, c'est vos chèvres, là, c'est pour tout le monde, chacun qui a besoin, qui a faim, il peut venir attraper une chèvre. Et toi, chef, tu as beaucoup de femmes. Quelqu'un ici, même des passages, qui trouve que non, ta femme là, elle est belle, et peut la prendre parce que c'est comme ça le communisme. Alors il y a un autre chef d'un autre village à côté de lui. Ah, c'est ce que nous allons chercher pour nous, le communisme. Alors il est très mauvais. Alors le grand chef là, il sort, il dit au prêtre, non.
et dit, nous vous connaissons maintenant, vous les Blancs. C'est que quand vous êtes venus, nous n'avions pas, nos maisons n'avaient pas de portes avec cadenas. Ça restait comme ça. Et quand on va travailler, tu nettoies les devants de la maison. Et partout où on allait, quand quelqu'un a marché, on voit là où il a piqué, on dit que c'est un tel qui est passé ici. Et quand quelqu'un entre dans la maison à l'absence de propriétaire, il vient prendre soit le tamis, parce que c'est une dame qui prend le temps pour aller faire souci, ou un jeune qui est... Ou le pilon, ou prendre une machette pour travailler, et il vient remettre. Mm-hmm. Mais jamais on avait ces problèmes-là. Mm-hmm. Et nous étions dans le village, un enfant qui veut jouer avec un palmier qu'on a, ou un arbre qu'on a planté quelque part, n'importe quel parent adulte dans le village peut le gronder pour dire « Non, on ne fait pas ça avec ça. » Et lui, il écoute religieusement et les parents remercient l'homme qui a fait ça. Parce que tout le monde, toute la communauté villageoise qui accepte ça. Harmonie totale. Oui. Ça ne veut pas dire que c'était le paradis, non. Il y avait des gens, quelqu'un qui entre dans le mal, les vols, tout ceci, tout le temps de problèmes avec les gens. Et quand on dit qu'on vendait des esclaves, c'était les gens, quand les gens passent, ils disent non, prenez ces garçons-là, allez avec eux. Parce qu'il est mauvais. Il est en train de nous empoisonner, de pourrir le village. Et voilà comment les choses étaient. Oui. Et c'était toujours ici. Mais maintenant, là, qu'est-ce qu'on veut? Quand Boniga veut passer au député, il prend sa femme. Sa première fille, ses premiers garçons, il prend son beau-frère, son petit-frère, sa belle-sœur, et tout ça, il va. Il a l'argent qu'il a eu, qu'il a volé avant. Alors, il le distribue, et tous, ils passent aux élections. Alors, maintenant, le fils aîné Jean-Pierre, alors, toi, tu restes à l'Assemblée, provincial. Moi, j'irai au Sénat. C'est l'Assemblée provinciale, lui passe ministre, celle-là, elle passe... La même famille. La même famille. Monsieur Labbé, c'est la possibilité. Absolument. Et ça, assez... Non, c'est-à-dire que nous sommes à un niveau de corruption très, très avancé. Et qui fait que, non seulement que l'État et la société est enracinée dans la corruption, mais elle est arrivée au niveau de la reproduire, de reproduire par génération. Et si vous comptez, moi je ne peux pas compter les gens. Jean-Pierre, il connaît les gens qui sont chez nous ici et qui sont allés comme ça en familles entières. Mais le problème... Et qu'on trouve partout. Et ils sont très heureux. Ils sont... Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas partir. Ils veulent rester là-bas. Mais ils vont où? Parce que c'est là. Tu veux qu'ils aillent où? Monsieur Labbé. Je crois que nous sommes en train de faire découvrir le mal profond qui ronge notre société, notre monde. Pas seulement notre société, mais notre monde. Parce que qui dit corruption dit un mal qui est mondial. Un mal qui est mondial. N'est-ce pas? Parce que lorsque nous avons évoqué tout à l'heure, Cyril a évoqué la mort, l'assassinat de Lumumba, mais à cette époque-là déjà, des 60, n'est-ce pas? Eh bien, on a parlé aussi de la corruption, mais de la corruption, pas de notre part, à nous, Congolais de l'époque, mais la corruption qui venait de là où on voulait absolument éliminer Lumumba. Et pour arriver à l'éliminer, il fallait acheter des consciences des Congolais avec de l'argent pour qu'ils accomplissent la basse besogne. Parce que, et quand vous dites ça, monsieur Labbé, je vous coupe, pardon, il faut magnifier ce Lumumba parce qu'il a refusé d'être corrompu. C'est pas possible. Il a refusé. Et ça, on n'en parle pas. Oui, on n'en parle pas. On n'en parle pas. C'est pour cela qu'on l'a tué.
Parce que celui qui refuse la corruption, il refuse d'être corrompu, il refuse de prendre de l'argent de la corruption, il est mauvais parce que la corruption, il devient dangereux parce que la corruption est devenue un mode de vie. Voilà. C'est devenu un mode de vie. Et comme il le disait, transmis de génération en génération. Et je crois qu'il y a lieu que nous puissions envisager comment s'en sortir. Oui. Et pour moi, il faut un arrêt. Il faut qu'on s'arrête à un moment donné et qu'on se pose des questions. Où allons-nous avec ça? Tout à l'heure, Bonigaba qui a parlé de contrat léonin. Mais il y a autre chose aussi. En dehors des contrats léonins, il y a ce que, qui est entré dans les mœurs, qu'on appelle la rétrocommission, ou les commissions tout court. Commission et rétrocommission, c'est entré dans les mœurs et c'est une forme de corruption généralisée et je dirais même institutionnalisée, n'est-ce pas? Et celui qui n'est pas là-dedans, eh bien, on dit il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Alors, je crois qu'il y a lieu qu'on s'arrête à un moment donné, qu'on marque un stop et qu'on se dise, mais où est-ce que nous allons avec ça? Nous sommes en train d'aller tout droit vers le mur. En chantant Alléluia. Et, Alléluia, pardon. Voilà. Eh bien, qu'on s'arrête. Et deux, qu'il y a lieu, puisqu'il a été question de conscience morale, il y a lieu d'engager toute une campagne, je dirais, de réarmement moral. Je crois que c'est ça qu'il nous faudrait. On en parle depuis 60. Le réarmement moral, je l'ai entendu, j'étais encore gamin, j'étais à l'école primaire, comment j'ai entendu parler de réarmement moral. J'étais petit. Et aujourd'hui, on n'en parle pratiquement plus. C'est devenu un petit truc qui relève d'une association qui est, je crois, en Suisse, à Genève, qui parle de cela. Mais ici, chez nous, nous avons besoin d'un véritable réarmement moral à travers une éducation à la base, c'est-à-dire en famille. Le réarmement moral doit commencer en famille. La lutte contre la corruption doit commencer en famille, parce qu'on ne l'a pas dit, mais même dans les familles, ça commence là. Le papa qui corrompt son enfant, qui a vu ou qui a découvert, n'est-ce pas, une relation douteuse, eh bien, qui a attrapé papa dans la main dans le sac, n'est-ce pas? Eh bien, qu'est-ce que le papa fait? Il appelle de côté, ne dit pas à maman, prends ceci, et puis il commence à lui donner tout le temps. Mais c'est de la corruption. Mais monsieur l'abbé, on s'étonne qu'il y ait des koulouna. Mais des koulounas qu'on n'arrive pas à éradiquer. Mais ça part de là. Si nous voulons que notre société soit colonisée d'une manière générale, continuons. Oui. Mais si nous voulons qu'à un moment, on arrête et qu'on vive dans un monde heureux, eh bien, il faut véritablement, je vous donne raison, monsieur l'abbé, il faut qu'on arrête, il faut qu'on se dise, on ne peut pas aller encore plus loin. Voilà. On a atteint le fond des fonds, et quand on a atteint le fond, on n'a plus qu'une chose à faire, c'est relever, sinon on meurt. Voilà. Sinon, nous allons vers la mort. Modeste Bonigaba, je vous ai coupé la parole. Je crois que le temps d'arrêt dont parle M. l'abbé, là aussi, il faut toute une campagne pour que les gens comprennent que ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on raconte pour dire, voilà, ils veulent encore des dialogues. Ça n'a rien à voir avec ça. Il s'agit effectivement de marquer ce temps d'arrêt pour dire d'où venons-nous. Là où nous sommes, est-ce que c'est vraiment... Là où on devrait être, nous, le Congo, qui en 60 était à tel niveau. Les pays qui étaient au même niveau que le Congo sont maintenant dans des sphères... Le Canada, la Corée du Sud, et nous, on est en train de danser encore et tout ça, comme si c'était bien. Il faut absolument qu'il y ait ce temps d'arrêt, et il faut même déjà penser à ceux qui devraient être conviés à cette réflexion. Parce que naturellement, si vous y mettez les gens qui ne pensent qu'aux prochaines élections, c'est mal parti. Parce que justement, ceux qui pensent aux prochaines élections ne sont pas des bons candidats à cette réflexion qui est stratégique, qui nous projette dans les prochaines générations. Donc manifestement,
ne commettons pas l'erreur d'associer à cette réflexion ceux qui ne pensent qu'aux prochaines élections. Parce que, et justement, ils vont se dire, bon, alors nous, il faut qu'on soit déjà dans cette affaire-là, parce qu'il y a la transition hein, pour les élections et tout ça. Ils vont rester dans le même système, alors que nous, nous voulons sortir de ce système-là. Donc, première condition, il ne faut pas associer ceux-là qui pensent aux prochaines élections. Mais oui, mais et, parce que... Oui, bon, oui. Et ensuite, faire en sorte que les résolutions qui sortent de là soient des résolutions tellement puissantes qu'elles s'imposent à tout le monde. Parce que continuer à ignorer que nous sommes dans un trou, ce serait alors de l'inconscience à l'extrême. À l'extrême. Ceux qui ont intérêt à ce que les choses ne changent pas, on les connaît. D'abord, ceux qui nous dirigent de là où ils sont, les puissants de ce monde, ne voudront pas que, aujourd'hui, on puisse suivre à la loupe toute la production, par exemple, minière de notre pays. Est-ce que c'est vraiment le bon prix auquel on vend, etc. Il y a plein de gens qui n'aimeraient pas qu'il y ait de la transparence dans ces opérations-là. Et donc, il ne faut pas compter sur ceux-là pour soutenir une initiative comme celle-ci. Donc, on voit qu'à ce moment-là, on n'est pas très nombreux à pouvoir effectivement s'arrêter pour réfléchir sur les choses essentielles. Et c'est tant mieux, parce que quand on est trop nombreux, ce n'est pas bon non plus. Ça devient une sorte de kermesse où les gens ne savent pas s'écouter. Mais sinon, ce stop-là, si on continue à l'ignorer, alors c'est peut-être le raccourci pour aller vers cette fameuse balkanisation tant redoutée. Parce que si on continue à faire la sourde oreille par rapport à cet appel, c'est que vraiment on n'a rien compris aux enjeux du monde. C'est-à-dire qu'on sortira, qu'on se réveillera un jour et puis on vous dit non, mais ce pays ne vous appartient plus. Tout à ah fait. Non, mais comment tout à ah fait. Non, non, mais c'est fini. Il appartient à qui hein? Ben, écoutez, allez vous coucher d'ailleurs. Ah non, mais ça. Mais c'est vrai, des surprises de cette nature-là, il faut les éviter. Et la seule façon de les éviter, c'est vraiment ou suivre l'exemple de ce qu'ils ont réussi, ou en tout cas de faire cet arrêt qui est obligatoire. Moi, j'allais dire, parce que je rêve un peu, que cet arrêt se fasse aussi dans chacun de nous. Pourquoi pas? Pourquoi pas à la maison? Pourquoi pas se dire, mais tozakoko malokwa banyamate, oh ma kamboi, oh ma... Ne citons même pas l'Europe où aujourd'hui on commence à prendre des mesures idiotes qui mettent l'animal au niveau de l'homme. Enfin, je n'aime pas. Je n'aime même pas. Oui, Dim. Oui, nous avons plusieurs fois autour de cette table parlé. On n'est pas entendu. De la recherche de solutions. Il y avait une expression qui est sortie autour de cette table, le changement de mentalité. Ça a été pris en politique comme un slogan et un point. C'est tout. Ça n'a pas donné grand-chose. Pourquoi? Parce que je pense que pour qu'il y ait un arrêt dans la société tourne. L'arrêt, les gens qui dirigent des sociétés, ils voient que l'arrêt, c'est le coup d'État ou je ne sais pas. Et ça ne doit pas être entendu dans ce sens-là. L'arrêt, c'est parfois certaines crises sociétales qui arrivent peuvent maintenant pousser les gens à la réflexion. Prenons par exemple tout ce que l'on a connu et qui a conduit la nation à la conférence nationale. C'était une grande crise, une crise qui a bougé les lignes sur le plan international, en Afrique et tout ça. Et dans le pays, et les gens ont commencé à réfléchir qu'est-ce qu'on fait. Malheureusement, toujours, les corrupteurs, ils ne dorment pas, parce qu'eux aussi, ils disent, mais nous aussi, nous devons réfléchir pour ne pas sombrer définitivement. Oui. Comment ça va tourner cette affaire-là? Il ne faut pas alors, que ça tourne à notre... Ce qui fait que nous avions parlé ici
de la création des îlots de résistance. Les îlots de résistance, c'est-à-dire quoi? Nous devons avoir quelques hommes et femmes qui sont gagnés par ces discours, que nous n'allons pas tous chercher à des commissions, de ceci, signer. C'est pas tout le monde qui a cette possibilité-là, même si on en a. Nous ne passerons pas par là. Il nous faut un changement qualitatif. Et ce changement commence par nous. Et puis, nous allons également le faire et faire écho autour de nous. Et nous avions parlé toujours ici de ces, non seulement des îlots de résistance, mais ces îlots seraient menés par des voyants. Ceux qui doivent être à la tête. Des prévoyants, d'abord. Par des prévoyants, les voyants et les poursuivants. Et nous avons dit que ces prévoyants-là, ce sont des têtes. Et comme on dit que les poissons commencent par pourrir, c'est-à-dire par la tête. Donc la corruption commence par la tête pour chaque personne qui a une responsabilité. Nous avons par exemple Kibambi, qui est la tête de cette société, cette télévision. Il faut qu'il prenne conscience que lui, chacun de nous ici, on est des têtes en famille. Le chef de la famille chez moi, c'est moi. Et je veux dire, donc, je dois donner l'exemple de chef à la paroisse, donner l'exemple de celui qui est la tête, mais pas une tête pourrie. Et de sorte que, en cas d'une crise sociétale, de quelle manière? Alors, tous ces îlots de résistance vont se réveiller pour donner le bon départ. Et à ce moment-là, peut-être ceux qui sortiront pour animer les nouvelles parties, les nouvelles pans de l'histoire et de la société viendraient de ces îlots de résistance et tout le monde viendra suivre. Et à ce moment-là, on donne un changement à la société. Mais changement par discours, par slogan, par tout. Non. Tchanan. On a presque terminé, monsieur l'abbé. Ben, le changement commence par mon changement. Oui, mais parce que chez nous, dans notre pays, c'est très important. Quand on a entendu par changement que l'autre change. C'est faux. Si nous ne changeons pas, eh ben, nous allons dans le mur en chantant, en klaxonnant, en dansant. Mais c'est grave. Alors on va être surpris, paf, on se réveille et ce sera trop. Alors, je voudrais renchérir sur ce que Modeste a dit tout à l'heure, en parlant du temps d'arrêt que j'ai évoqué. C'est que ce temps d'arrêt devrait se faire à tous les niveaux. À tous les niveaux, au niveau personnel, individuel, au niveau collectif. Et quand je dis au niveau collectif, c'est au niveau de toutes les collectivités. La première collectivité, c'est la collectivité familiale. Les collectivités ecclésiales, les collectivités sociales, à tous les niveaux, les collectivités scolaires, à tous les niveaux, un temps d'arrêt s'impose. Et ce temps d'arrêt, ce n'est pas pour recommencer la même chose. Ce temps d'arrêt, c'est pour prendre une autre direction et dire, la direction dans laquelle nous nous sommes engagés, elle est mauvaise. Elle nous conduit droit au mur et droit dans le ravin. Eh bien, nous devons nous arrêter. Avant de tomber dans le ravin, avant de nous cogner au mur, nous devons nous arrêter et changer de direction. C'est ce changement de direction que nous pouvons appeler changement de système. Et je ne cesserai de le répéter, ce système bâti sur le primat de la voix, c'est ce système-là que nous devons quitter. Et entrer dans un système qui est bâti sur le primat de l'être. Et là, nous retrouvons notre culture. Notre culture que nous avons évoquée tout à l'heure. Notre culture traditionnelle, notre culture africaine, négro-africaine, n'est-ce pas? Où on parle du tout. Le tout, le moto.
Et c'est le moto, le muntu qui est premier. En fait, monsieur l'abbé, par rapport à tout. Oui, vous avez complètement raison. En fait, nous vous invitons à quoi? Dans un auditoire, vous vous rendez compte que vous n'évoluez plus, que les cours sont mal donnés, qu'on donne des points. Mais on ne vous demande pas de vous révolter, mais de dire ce n'est pas normal, où allons-nous? De voir que ce sont celles qui sont les mieux habillées qui passent facilement, qui ont des points. Dire non, ce n'est pas ça les valeurs, c'est ça intérieurement. Normalement, dans une société, on devait savoir où est le bon côté, où est le mauvais. Et quand le mauvais domine, on dit non, arrêtons, ça c'est pas bon. L'indignation. Voilà. Je crois que c'est le mot clé. C'est le mot. On ne peut pas faire cet arrêt et s'engager dans une nouvelle direction lorsqu'il n'y a pas au départ, dans chacun de nous, une indignation, je dirais même plus, une insurrection de la conscience. Une conscience qui s'insurge, qui se dit non, nous ne pouvons pas continuer dans cette direction. Insurrection de conscience, indignation vis-à-vis de ce qui est en train de se passer, la manière dont nous sommes Monsieur en train de... Vous allez le résumer en lingala tout de suite. Votre dernier mot. Oui, le dernier mot, c'est finalement rejoindre ce que les amis ont dit, c'est que l'homme congolais d'aujourd'hui, il faut le changer. Parce que cet homme-là est abîmé. Venons de le démontrer ici. Il faut commencer par changer cet homme. Parce que si cet homme ne change pas, il ne changera pas le Congo. Il faut un homme nouveau pour qu'il puisse, à son tour, se dire, ce Congo-là, ce n'est pas mon Congo. Moi, le Congo que je veux, voici ce qu'il doit être. Et donc, le premier chantier, ce sera de changer cet homme-là. Pour transformer ce monsieur qui est d'abord indolent, trop laxiste, qui accepte un peu n'importe quoi, en faire un acteur rigoureux de son avenir. Cet homme-là, nous pouvons le changer et nous allons le changer. D'accord. Et nous allons le changer. Je pense que la seule possibilité qui peut s'ouvrir encore aujourd'hui, c'est l'école. Parce que la famille est devant des crises alimentaires, des crises aussi, même les enfants ne croient plus à papa et maman. Mais l'école a un pouvoir de s'imposer sur les familles. Si aujourd'hui il y a le cours de civisme qui revient à l'école, il y a le cours de l'histoire du pays, on ne enseigne même pas l'histoire du pays. Et comment voulez-vous que les gens aiment le pays s'ils ne le connaissent pas? Il faut, quand on enseigne l'histoire, on enseigne le civisme dans les écoles, et l'école et les enseignants, elle est de tous, ils ont un pouvoir sur les parents. Parce que quand l'école a dit que les enfants vont pleurer à la maison, non, mais moi demain... Mais oui, mais tu as complètement raison. Et il faut absolument... Déjà, l'école s'impose aux familles. C'est déjà, ça. C'est déjà gagné. Il faut qu'il y ait quelque chose là-bas. Oui. Et des deux, parce que ces enfants-là, c'est eux qui vont nous remplacer demain. La société de demain, c'est eux. Ils ont oui, à l'école, une fois, on nous a enseigné que on avait dit que c'est ce que j'entends maintenant. Il semble que c'est par là que les autres sociétés ont fait. Et ils ont, à ce moment-là, ils savent se rappeler de quelque chose. Et aujourd'hui, il faut absolument ceux qui sont au niveau qui ont la gestion des établissements scolaires. C'est ça. Il faut que l'histoire retrouve sa place, l'histoire nationale, mais avant, pas de Napoléon et de oui, mais avant d'arriver là, est-ce qu'on n'a pas à dire un mot un peu sur le statut de l'enseignant? L'enseignant est négligé, l'enseignant marche pieds nus. Il faut peut-être y regarder. L'enseignant, nous avons eu la chance... Il faudrait qu'on regarde l'enseignant, qu'on essaye comment le valoriser le métier. Oui. Mais aujourd'hui, le problème, c'est ce qui s'est passé dans notre enseignement. On a retiré les cours de l'histoire du pays, les cours de civisme, il n'y en a pas.
on ne sait pas, on ne peut pas poser la question aux Congolais, aux jeunes Congolais, d'où viennent, même ceux qui sont aujourd'hui des cadres dans les entreprises, ils ne connaissent pas le pays, parce qu'ils ne l'ont jamais appris. D'accord. Et ça, c'est nous qui acceptons volontiers cette ignorance et que nous transmettons sur les générations. Alors on vous pose la question, vous n'avez pas de réponse. Monsieur l'abbé. Eh bien, une école plus humaine. Repenser l'école. Nekolobi, tu sais quoi, bah histoire, yambo kanabiso. Mais pour nanini, tokoki koti a kuri a lumumbate nakatiya ba école nabiso. Et ça, banane école, banane bomoana wana na maternelle ti na université. Bato ba yekola nani azalaki lumumba. Lumumba azalaki nani. Makanisi na ezalaki nini. Po batia biso na moto, te moto wana yende moto abomi mboka. Yende moto atie biso na nzela mabe. Yende azalaki na makanisi ya mabe. Batia biso yango na moto. Tosengeli kolongola yango. Totomboka. Ngai nazako benga Congolais akoma motomboki. Motomboki oyo alobi te ngai na boyi. Oyo ezo salema lelo pona lingi to sala makambo ndenge mususu ngai na boyi nzelo ko telema moto ya tomboki ako telema to telema po tomboka na ko telema etambola kanzela moko po ko tomboka mokonzi ako ko baloka ya mokonzi ako kasa ke balingi ba tomboka na biso eza ko tomboka ezali ko telema ko telema to ba ke biso ba pe to zali batu to zali na na makanisi tuza na bwanya to kuki kukazia makambo tu makambo eza koleka na mboka e sepeli biso biso te to lingi bano ya biso tuza kobota bakolanda biso bamususu basi akoli bakumi kosala deja misala kasi bamususu balandi malamu bate ya bango to uta wapi tozali wapi mutu oyo azali ekolo boyo aza munguna na yote azala ndeko na yote ndenge nini kala tozalaki kotela otelemi na kati ya mboka lakuwa na mboka l'école primaire ya biso tosalaki na ntango bana tumatiti nyonso na tumanyama nyonso eza kotikoma na mboka oyebi kombo nango oyo nini kombo boyo na ekulu ya nini ya étude du milieu lelo étude du milieu nani otanga okutu nango otila bana nzete oyo nini ayebi ata kombo nango te nyama oyo eza koleka babengango ani eyebi yango te tuwapi ayebi te kombo na ye bino bazali bato tozali bato ya kuna équateur équateur kote nini ayebi te mboka ya baboti na ye ayebi ata ayebi loba na monoko ayebi akoki kolokota ya bankoko na ye ayebi yango te ezali mpasi mingi tangala ngai mama tata na yo tata boti tata na yo tata oyo atubo tata ta kuna mana ko bete leza bosenzi yango nde makambo tosengeli toboya yango ekota na bakelasi bana batanga yango bakuma bakongole lobi lelo baza bakongole te ce sont des disciples de Napoléon de Charlemagne de tout ça. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je crois que même en lingala facile, hein, oyo et beti mon lingawa, c'est pelisinga makasi parce que monsieur l'abbé, lingala eza ya makasi quand même, hein, eza que les pembeni ya makanza. Donc, totelemen, totala toza ko kende wapi. O toza ko, sika toza ko kende oyo, ezali malamu te. O mona motuka. Il y a mon néné, les arrêtés les mêlés, moi, j'en ai eu à 12 ans. Yo,
au Moniango normal, aux Zaliwati. Merci, Nandenge, Bolandi Bisso. Bon, comme il est belé, Batou, Bazakolanda émission, yo. Bon, l'embêté, et Zako Salissa Bisso, Tozonga n'a pas conscience, Tosala n'a pas tout, Bako Tala, dans 50 ans, tu causes à Ndenge Nini. Ce qui te continue, Karabouina, dans 50 ans, Mboko yo et causes à Bissoté. Au Bissoto Lingi, Boka yo, et Kokende Moussik et Kende Paite, et Zaya Bisso. On dit ma cambo na lobi. Oh Azana Motema. Oh Azana Matoya Koyoka. Je vous remercie. À la 15 jours.